Et yop, tout le monde, c'est Sortex pour une vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ IRL comme vous avez pu vous en apercevoir des 500 abonnés, donc vraiment merci pour ces 500 abonnés. Donc s'il vous plaît, pas de critiques sur le physique, je le répète à chaque fois que je fais une FAQ. Donc on va tout de suite passer aux questions, j'en ai une feuille double, donc j'ai ma feuille là. Donc vraiment merci pour cette mobilisation sur Twitter et sur YouTube, mais surtout sur Twitter, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc la première question, c'est une question de IceX999. Quel est ton youtubeur préféré? J'en ai pas du tout. J'aime beaucoup plusieurs youtubeurs, mais j'ai pas un youtubeur qui se détache parmi ceux-ci. Donc non, j'ai pas de youtubeur préféré. Une question des défis Moore. Comment trouves-tu toute cette inspiration pour tes constructions? Je sais pas, j'ai beaucoup regardé de vidéos de builds sur Minecraft, voilà, ça me donne des idées. Je regarde aussi des bâtiments dans la rue, ça me donne quelques idées. Je me dis, ouais, pourquoi pas, je pourrais refaire ça sur Minecraft. En général, je teste directement sur mon iPhone, et voilà, mais cette inspiration, après, voilà, ça vient comme ça. C'est un peu de créativité, il en faut pour être un bon builder. Une question de Silverflower53. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Tout simplement, ça faisait un an que j'étais sur Minecraft, Pocket Edition, et puis je me suis dit pourquoi pas faire comme Hypolugo ou d'autres, même s'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Montrer ce que je faisais en construction, c'était surtout pour ça. Donc j'ai créé une première chaîne qui était naze, une deuxième où je me suis fait hacker, puis maintenant Swartex MCPE où ça marche vraiment et je suis très content que ça marche. Une question de Nero. Quelle est ta réaction si un matin tu te réveilles que tu vois que tu as 1000 abonnés? Déjà je me rendors, ensuite je me réveille, je me donne deux baffes et peut-être que là je me dirais ouais que j'ai 1000 abos, mais non, je sais pas, franchement, je rigole, mais non, je sais pas trop. Une question de LapinouKiller12. Feras-tu des vidéos avec tes abonnés? La réponse est tout simplement non. C'est trop galère de faire des vidéos à deux. J'en fais des fois avec Lucas Diablo ou d'autres, mais c'est un peu trop galère quand même d'en faire. J'ai pas forcément le matos, même si j'ai une bonne enceinte qui est juste au-dessus là, mais j'ai pas le matos et pas forcément le temps. Voilà, pas forcément le temps et il faut trouver les créneaux horaires et c'est jamais facile. Une question de Hellcraft. Comptes-tu changer de style de build? Je continue à rester dans le moderne, mais la construction que nous avait demandé faire Apprenti Archi au niveau style asiatique m'a beaucoup plu à faire. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et j'ai décidé, je vais sans doute en refaire quelques-unes, mais ça va rester surtout du moderne. Une question de S-Craft, une des nombreuses questions. Quel est le dessin animé qui a marqué ton enfance? Compliqué. Le dessin animé qui a marqué mon enfance. Ça date. Franchement, j'en ai pas trop. En tout cas, je m'en rappelle pas. Peut-être Pokémon à la télé encore. Franchement, je saurais même pas te répondre. Ça date trop. Franchement, je m'en rappelle plus du tout des dessins animés que je regardais. Une question de Adrien Laprand. Où trouves-tu l'inspiration pour tes constructions? Ça, j'ai déjà dit. Et pour tes séries, pour mes séries, c'est très simple. Je regarde sur YouTube des vidéos MCPC. J'aime pas trop, mais je suis un peu obligé. Ou je me pose des fois quand je me fais chier sur mon bureau, là où je suis. Et je me dis, voilà, j'ai ça, ça, ça. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ces éléments? Et des fois, ça arrive, ça a des idées. Donc voilà. Par exemple, la série Carte des abonnés, c'est une série inspirée d'une série MCPC. Une autre question de Adrien Laprand. Y a-t-il assez de maisons pour continuer le quartier des abonnés? Non, il n'y a pas assez, je n'ai qu'une. Donc, merci à la personne qui me l'a envoyé. Je ne l'ai même pas répondu, mais il m'en faut beaucoup plus pour faire un épisode. Je ne vais pas faire des épisodes avec une seule maison, ça dure
pas assez longtemps pour le quartier des abonnés. Donc envoyez-moi les maisons. Pour ceux qui ne savent pas, le quartier des abonnés, c'est une série où vous devez m'envoyer une maison qui doit tenir sur un terrain de 20 blocs sur 20 blocs grand maximum. Vous me l'envoyez soit par mail en lien Dropbox ou soit vous me faites une vidéo sur votre chaîne YouTube, une vidéo tuto ultra détaillée pour que je puisse la refaire en moins de temps possible. Une question de Arturo MCPE, d'où vient cette passion pour le build? J'ai toujours aimé tout ce qui est BTP et tout, et j'ai découvert Minecraft un peu avec ça, et puis pour moi Minecraft c'est construire, c'est pas survivre. C'est vraiment, vous l'avez vu sans doute dans dans mes vidéos, il n'y a pas de série survie, c'est que du build, tout simplement, enfin que de la créa, parce que pour moi Minecraft c'est que de la créa. Une autre question de Scraft, quel est ton jeu qui a marqué ton enfance? Mais tu me fais chier avec mon enfance. Non, je rigole. Le jeu qui a marqué mon enfance, je pense que c'est comme beaucoup, hein, c'est Pokémon. J'ai énormément joué à ce jeu. Je joue plus. Mais ouais, c'est Pokémon. Une question de TGO. La personne qui t'a le plus aidé sur YouTube. Les personnes qui t'ont le plus aidé sur YouTube. Je sais pas trop. Je n'ai pas vraiment. Il y a Hippo du Go, la dernière fois, qui m'a amené indirectement beaucoup d'abonnés. Voilà, je me suis vraiment débrouillé tout seul pour évoluer sur YouTube. Une question de Esprit du Feu. Pour toi, que représente la communauté MCPE? C'est quoi ça? Communauté MCPE, je connais pas. Feras-tu un live avec d'autres youtubeurs? Ben sans doute, oui. Pendant les vacances de Noël, peut-être. Et puis à l'avenir, sans doute. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps. On va passer à la deuxième partie des constructions. Oui. Des questions, une question de Scraft, ta meilleure construction, ben, je pense que ça coule de source, c'est la PGE Arena, ce qui me fait un peu connaître, hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils me connaissent grâce à ça, c'est la vidéo la plus populaire sur ma chaîne, je vous en remercie, plus de 2000 vues, voilà, c'est ma meilleure construction qui m'a pris vraiment plus de temps. De nombreuses questions de TGO. D'où vient ce style de build moderne? Ben, j'ai beaucoup regardé des vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Le Corbloc, un youtubeur Minecraft PC. Je regarde plus trop, mais il construit en moderne et je me suis inspiré. Et maintenant, c'est que du moderne. Voilà, tout simplement, c'est pas très compliqué. Que penses-tu de la commu? Ben, je l'ai déjà dit, je connais pas. Quels sont selon toi les exemples à suivre pour l'améliorer? Je peux pas te répondre, je connais pas. Non, plus sérieusement, pour moi il n'y en a pas. Améliorer, c'est avoir un peu plus d'humour. Je vise quelqu'un, mais vous inquiétez pas. Quelqu'un qui va encore s'énerver, mais c'est pas grave. Un peu moins de kikou. Et puis voilà, en tout cas, ça pourrait le faire. Un peu moins de con aussi. Y aura-t-il que du MCPE sur ton compte Twitter sur Artex Build? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compte Build. Je ne présente que mes constructions. Donc que du MCPE, oui. Je pense, parce que j'ai pas les moyens comme toi, parce que je sais que c'est Wasabi qui a posé les questions. Hein, j'ai pas de PC pour faire sur Google SketchUp ou SketchUp pour un truc bizarre là. Voilà, donc ce sera que du MCPE sans doute. Notre question de TGO. TGO te manque, bien évidemment, c'est pour moi le meilleur serveur MCPE de tous les temps. Voilà, BuildFR ne le remplacera jamais. Quelles sont tes ambitions pour le quiz TGO? Ben, gagner. Je suis un battant, j'ai tout le temps envie de gagner. Donc, bien sûr, c'est de gagner cet événement. D'où est venue ta passion pour le football? Ben je sais pas, franchement, je sais pas du tout. C'est venu comme ça, ding, hop, c'est venu. Non, je sais pas, en tout cas je me rappelle plus. Je sais que quand j'étais petit, j'avais horreur de ça, puis peut-être qu'au fur et à mesure, j'ai appris à apprécier, et maintenant j'adore, mais franchement, je sais pas. Pourquoi arbitre et pas joueur? Ben, j'ai déjà expliqué de nombreuses fois. J'aime pas les sports
co, enfin en tout cas pratiquer des sports co. J'aime le foot, on m'a proposé, on m'a dit t'aimes le foot? Oui. T'aimes pas les sports co? Oui. Et on m'a dit pourquoi tu ferais pas arbitre? Et voilà, depuis j'ai passé tous les examens et j'en passe toujours pour toujours plus évoluer. Hop. Tu as déjà exercé un autre poste que arbitre? Oui, pendant un trimestre, quand j'étais tout petit, j'étais gardien de but. J'étais gardien de but. Tu es l'un des favoris pour Archie Awards. Qu'as-tu mis en œuvre pour y parvenir? De la passion. La passion et puis de toute façon du talent, hein, j'en ai. Je suis le meilleur, je suis le meilleur. Non, plus sérieusement, ouais, de la passion, de l'envie. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Une question de Nilou. En as-tu encore contre moi pour tes JO? Non, c'est pas toi le plus grand problème entre guillemets, le plus grand kikou des deux, c'est surtout Nilou, mais enfin c'est surtout je sais plus son nom, mais de toute façon vous deux vous en veux plus, hein, c'est bon, c'est passé, ne vous inquiétez pas. Une autre question de S-Craft, la première personne que tu as connue sur la communauté enfin, sur MCPE. Je crois que c'est Mister iPod 7. C'est Mister iPod 7 que j'ai connu en tout premier. Ça, c'est mon stylo. Question de iRed. J'espère que je prononce bien ton pseudo. Selon toi, quels sont les meilleurs builders francophones sur MCPE? Ben, bien sûr, Apprenti Archi, Lucas Diablo, S-Craft. Puis. Pour l'instant, ouais, ça doit être à peu près tout. Pour moi, ils sont top. Après, il y a des très bons builders aussi. Mais pour moi, ils sont les meilleurs. Question d'Alex du 1343. Aimes-tu le chocolat? Oui, j'aime le chocolat, mais les gens mangent quasiment pas. Une question de Science Lim. Pourquoi ce pseudo? Ben, c'est une période où je cherchais un nouveau pseudo. Je suis tombé sur le pack de textures Swartex Fenver. Je me suis dit, Sortex, ça peut être pas mal en pseudo. Et j'ai pris ce pseudo tout simplement. Et la dernière question de S-Craft, comment as-tu connu Wasabi et Lucas Diablo? Wasabi, il faisait un topic sur jeuxvideo.com où il présentait ses machines. Je l'avais contacté pour pourquoi pas faire une série sur les machines qui n'a jamais eu lieu. Et il m'avait proposé, ouais, voilà, je crée un serveur qui était Géo. Voilà, ça va être un des plus gros serveurs et tout. Je veux que tu participes. Et depuis, voilà, on se connaît plutôt bien. Et Lucas Diablo, j'ai connu avec TGO et Margot Gamer qui me l'a fait connaître. Donc voilà pour ces questions, ces nombreuses questions. J'espère que cette FAQ vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas fait. À commenter, pas de critiques sur le physique. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Allez, ciao tout le monde.